Mbote lisu so bande ko nanga bino bande ko oyangai masolo na depite ya mokolo mwalelo to komi mercredi 9 juin 2021 mikolezo kende malembe malembe bientôt linu ya parti se melilum e merilum mumba oyo soit le reste de son corps bako pesa yango et que la manifestation sera organisée, une grande manifestation ko banana poto ti awa. Est-ce que le roi Philippe et à Belgique à Koya, toi à Koya T. Donc la réponse c'est dans cette émission. IGF contredit Bato Bako Pibliaka, Bilo Koya Lokuta. C'est là que Bato Bazo Loba Eliezer. Je n'entre pas dans le show. Je suis dans ce que je pense être vrai à Kocha, na disposition Nabino. Masolona depuis troisième vague à Covid. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, s'exprime. C'est dans cette émission. Gouvernement kenyan, dont le président kenyan, Uhuru Kenyatta, a fait un don. 4 avions, il y a Biloko. 4 avions, il y a Biloko. Pour la bande de Konabiso, il y a Goma. Masolo, c'est dans cette émission la précision. Plainte contre Israël Mutombo. Nani a fundié, pour la ligne va fundié. Qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est dans cette émission. Dans cette émission. Revue à portefeuille avec Mineta Adel Kayinda. Quelques jours après, Toko proposé les binômes Masolo, Makamo, soutien aux FRDC. Se passe où? Parce que Bandaki na moto, Bandaki na moto, après, va Kongole, voilà. La veuve, il y a Delphine Kayimbi, Madame Brenda, Alali Lissousou na Boloko, Alali Wapi, Ponanine. C'est dans cette émission, parce que quelqu'un m'a posé la question. Mais on sait, dossier à Kayimbi Olobi Angoli Susute. Il fallait qu'il tombe à qui ça, quelques éléments pour vous donner. Voilà, Bande Koulangay. Nalingito solo là, bah moi, ma kambou, ou an anouti kwa annonce bino, to kota malembe malembe, to solo là. Mais j'ai une précision à dire. Il y a une différence entre ce que nous faisons et ce que les autres attendent de nous. C'est-à-dire quoi? Et ça va tout baser la caca mouvement et biminenge polémique et bimouana bisopé de côté. Les hommes qui ont la nationalité et bandit colombo et pas la bisoba tout aux gens du vent et comme à Tina Baoui, les gens que nous respectons. Kassavoubou, Azopé Marakimia. Et il attend de vous, place à Zali, ceux qui va oui, Bamona. Il attend de vous pour faire progresser Mboka. Oh Bango, Babundela. Oh Bango, Bakoufela. Ils sont en train de perdre l'indépendance, sont en train de nous observer. Lumumba Oyo, Tolingito Lobela Makamunaï. Bazali conservé. Batimangu. Bah, côté la biso, comment nous menons notre pays. Et les gens attendent quoi? Attendent que M. Tambwe, avant d'en côté moi, à côté Awa, à côté Lyo, aux oppositions, mais moi je ne suis pas Daniel. Moi je ne suis pas Daniel. Daniel, comme on a eu Daniel Sap. Ngaï, comme on a eu M. Tambwe, villageois, de père et de mère. Et quand nous nous mettons à parler, vérifiez ce que nous disons. On n'est pas dans les maturités. Tous en avons maturité. Il y a un autre qui a ce que l'on dit, il y a chaud, il y a ma casse, il y a un mouvement. Bon, attendez. Et ça, il y a un autre qui a dit, il y a un sur le niveau à l'anté. Moi, les colons, moi, sans sa responsabilité. Moi, les colons sans sa responsabilité. Et quand nous vous amenons l'information, vous comparez, vous tamisez. Nous avons levé le dossier à Lumumba. Parce que je pense qu'il y a une cause de notre temps et de l'été. Lumumba, Patrice, a koufaka na ba circonstance où il y a des circonstances où il y a des circonstances. Arrêtez. Mais notez, pas par les blancs, mais sur instruction là-bas. Baoba Kangaye, Batumundu Lokola,
baba zaji kanga ye singa batu mundu lokola baba tenda ko goma ye batu mundu lokola et c'est la même chose na bakanza c'est lui qu'on manipule pour faire du mal à son frère ezaka ne konayo et nous nous apportons cette touche là il y a que nous on ne peut pas accepter qu'on a la manipuler contre les autres. Tout là qui s'abatouke, nous sommes capables de nous aimer. Nous sommes capables, y'a kolingana, et kolingana y'a solo. Même si nous avons des problèmes, nous sommes dans un monde conflictogène. Même si nous avons un problème entre nous, bah, sentiments antipathiques ou sympathiques sont naturels. Mais ton petit kogéré, y'a mon nez, le linge sale, c'est lave en famille. Et nous avons estimé que nous allons continuer à dire vous allez nous donner raison. On doit donner image à Moussoussou, à la Congolais. Le monde est arrêté par ses frères, maltraité par ses frères. Nous ne l'avons pas écouté dans la musique. Ça là, c'est là. Donc, si il y a un coma, le niveau mon koya, il y a un exécuté le monde dans la Katanga. Quand vous suivez les témoignages, c'est son frère congolais qui lui avait dit que yo mukolo konyata na katanga na kosila na nayo. Les gens bilombe ndengwa. Batu ba mikumisaka pona kosala bande kuna bango mabe. Et ce sont les mêmes personnes qui fonctionnent aujourd'hui. Na reste ya mboka na biso. Tokolo ba Rwanda ba Uganda tout ce que vous voulez. Mais ceux qui biso mon koto za uni. To sala bloc. Vous allez trouver que va causer la macacité. Tozana étape ya modèle loi. Quand quelqu'un tue son frère, lelo bande konanga bisomi soit son monakaka ailleurs. Il y a 4 avions. Et outi Kenya, na biloko akolia, na bakisi pour na assister bande konanga biso bazana bom. Mi balé koma ki lobby. Moussou se comme il est long. Bah aussi Kenya koya pour assister ba Congolais. Mais ton vanda ce qu'on dit sur moko ba Congolais. Kofinga na. Er moko. Ce qu'on m'a dit qu'on a tout bakéli. De quoi il est ça? Dis ça tout ça. Papa, ce qu'on a dans pour ça y a ba baise. On m'a dit ba sentiment wana. Allez-y. Nous donnons les informations. Nous conseillons. Nous prêchons par l'exemple. Voilà pourquoi chaque matin, ceux qui sont là, ils ont l'ingwa. Vélo Saline. Oui, je suis en vélo parce que je suis en bureau dans la cabine. Je suis en train de faire l'activité. On va peut-être, on peut programmer quand on va faire l'activité là-bas. Je pense que c'est coordonné. Il y a des gens qui sont là. Papa na bango akufa katika bango bana mitena boko li bango ti awa na suki nena ndenge na komi kuko mwana na zaki makati kaka na senga ka moto boya pitinga tamo asenga nina ta tuwa mimi na sombi kama nguba na sombi na sali sumikati ya losa mike ya tuwa koko sali wana te utoko ya lobi tulala kukanza na kuwa problème na les animaux. Na yaki kali songi ka bongo kwa ndenge na yo souple na ba no ipapa na bango akupa tikala ka bana bitiki bo na sana moto cheka na moko isongi tuza ta isika ya kolala ti. Mama, yo na sina yamba yo awat. Yo yamba na wana na bata na bongo ti. Mama, ndo yenda pepa bila ki. Na yo ba moko. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps.
Oui, mais comment moi, on a déjà ça un problème, ok, au coin ici, à quelque bout qu'on a l'issu le bout. Ah, ça va être maintenant, mais on va vous couper. Mais où tu es allé à Kayenan? La main te fait mal, les bras te fait mal, c'est comme ça. C'est ça, bouge ça. C'est quoi, où est-ce que tu sais, les amis? Ah, là, au coin, c'est mal, allez, au bout, maintenant, ça va pour ta main, on va te couper ici, là. Vous en avez une maison qui est mieux. Maintenant, on va vous donner un hôpital. Radio va vous s'engager. Radio va vous s'engager combien? Le souci que vous en avez, il va vous faire appeler à voiture. Comme tu as la voiture, tu vas d'abord, oui, il va se faire tout à l'heure. Tu vas là-bas, tu te rassures et tu me dis quoi. Va bien d'accord, papa, le connu ça passe dans la tête. Maman, on va à la carte. Oui. Oui. Problème, c'est que vous n'avez pas. Problème, on n'avait pas, 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 Mais papa, vous avez un ministère, mon bimba. Papa, il y a ministère, on a problème. Papa, il y a problème. Yo, ça, papa, na bisonga na ye pa na yo. Na ke pa ministère, te po ministère kaza ba branche ne belenga na ye pa na yo. Mais yo, ça qui ozo bela, et qu'on présente, pa qu'on prendre yo en charge. Et papa, kolanda na tenga na message de na yo. Bango kuna baza na makamu na bango. Yo, ça, papa, amso tu bandino liloté. Nga na yende pa na yo zande kuna ngai. Na ke kuna pa ministère, ya ki para batite. Non, papa n'a pas. Papa n'a pas de problème. Le problème n'a pas de problème. Le problème n'a pas de problème. Pas de problème. Le problème n'a 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 pas de problème. Nous les faisons et après nous collaborons. Si on va au bas au bout de la musique, bango on a baillé. Bah Kenya baillé pour assister. Et entre nous, biso bah Congolais, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Koinana, Kofingana, on est des spécialistes na biso. Quand quelqu'un cherche à détruire son frère, donc on a azola qui s'appelle ça dernier Machiavel à l'oba. Alors biso qui aujourd'hui, bah au bas incarner excellence, les valeurs dans une société. Au tiers bas un côté nabam, au zi bas médiocre, au tiers bas un côté nabam. Au comment on a négligé les bas médiocres, bas pour s'occuper nabam ou pour nous détruire bas. Mutu akola muka, tongo tongo yema kamwaba. Au comment on a yoka na kala mutu boité, mais place nyo sur banda, kakongo a mutuwa. Et mais nous sommes là, les Kenya assistés. Yo même pour na kosomba, oh yo FRDC, pour na on soutenir. Ne fût-ce que bah mona ke osa quand même na souci à bande konayo au côté qu'on soutenir exacté au qu'on préférer au qu'on somba et le bande konayo à salité bilamba au qu'on somba côté mieux qu'on kende kono kota bilo komo kona ballon au la tuwa no komi lokola soudate papa osa mouté mamabe eh papa kasi konani o mouté mamabe boye osa mouté mamabe ne kona la sala biloko wana na lobelaka oda lobelaka John connection a sala ngo je ne sais pas 8 mois avant toye ba makambuya état de siège mutu ele kwata mon côté a sala bilamba na ya RDC pona ko kumisa ba leopard pona ko loba Kinshasa capitale a sala ba bilambe bele azana Turquie de kwana yoko kende Turquie jamais ko luka oko tata en contact na de kona yo jamais. Bah, son bitan ou kaka bimisi bilambawan, allez, ok, kolo kamisus,
C'est pas possible. Mais nous prétendons nous aimer et nous accusons les autres. Bilambe Zawan, ils ont été à 120, la commune à Kinshasa, entre Wilina et Kassabou, Bateniwa. Oh, biso doko beta kakabu. Tokola tango, ti état de siège oye kosila. Tiye kosila. Toko banda kola tango nengwan. Yo tiye kosila, ozo talango nengwan. Mais soki ovandi, ne kwa lese, o komi yo aborde question ozo tika, pona ko pesa ba leso yon toalibosu. Mais toi la kisakate, on ne vient pas se poumoner pour rien. Pendant que yo destinataire okoyo kata eno ko mon côté o sio sunganani yebisanga lelo Lumumba, la mort de Lumumba ewuta na maboko ya bandeko na ye nde ba pesa mpaya force soki botali malamu pona ndoki ya famille mususu ya kosimba mtu mususu il faut avoir un accès à travers ndeko na ye biso ba dokola na mboka makamtu eba. Je vous mets l'extrait. Il y a un dossier à Lumumba. Il y aura donc une remise à la famille et tout de suite après, dans le même lieu, donc au palais des ponts, il y aura la remise solennelle avec les autorités belges et les autorités congolaises. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sera présent pour cette cérémonie. Le 23 juin, la dépouille de Patrice Lumumba arrivera sur sa terre natale, à Onalua, où il est né. Onalua qui a été baptisé depuis 2 ans Lumumbaville. Et là, il y aura le deuil clanique, le deuil de sa famille. Le 25 au matin, Patrice Lumumba va rejoindre son fief politique, la ville de Kisangani. Et le 26, il sera à Lumumbashi, lieu de son martyr. Le 27, il rejoindra Kinshasa, la capitale, où il recevra des hommages populaires. Et de là, le 30 juin, il sera inhumé au lieu dit échangeur délimité, qui retrouvera son nom véritable, qui est le mémorial Patrice Emery Lumumba. Voilà. Wana mese balufu bakupa kaninda. Cinéastre oba pesi ko s'occuper na makambwa. Apesi programme. Le 23. Le reste ya nzoto ya Lumumba. Eko kende e panaye. Ana loa. Soki longwe kuna e kena Kisangani le 25. Kisangani boyoma fief politique na ye parce que kuna ti lelo ezana batu bandimaka te ke Lumumba kufa. Soki longwe kuna e ken Lumumbashi bisika babomela ye. Na sima nango wana le 27 eko kende Lumumbashi. Na sima nango ezongi Kishasa bisika bakukunda ye na échangeur délimité. C'est ça le programme. Les chefs de l'État Kozalawan, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, selon le programme, il y a M. Baloufou Oya Pesibiso, Bakozwa, l'inouana Akopesa na famille, il y a une dame qui gardait ça, ne Akozwa Yango, Apesi na famille. Maintenant, l'invitons à réfléchir un peu. Lumumba reçoit les honneurs. Le reste est en Zotonaye, ne Bazwa Kababoum. Je proposerai que à cette occasion, Paulo, Maurice, na Okito, batika la lokola babandi mi balete pembeni ya Christ. Na lingi boyo kanga bien. Parce que bazala ki ba homme de la rue, même homme de la rue. Les lotos kolobela chebeya na Fidel Bazana. Fidel Bazana était son chauffeur. Chebeya ne azalaki lokola patron na ye. Mais tokoki kolobela chebeya te totiki Fidel Bazana. Parce que bango mibale bakufe li même cause. Fidel ayibaki lokwa mutu te. Fidel azwaki mwasa mutu te. Fidel akufi par le fait seulement que azalaki na défenseur des droits de l'homme. Par conséquent, bango nyonso bazalaki ko défendre droits de l'homme. Ce sont les défenseurs des droits de l'homme. Mais dans le cas ya Lumumba, Patrice Emery Lumumba, Mpolo Maurice na Okito, moko azalaki président ya Sénat, mutu ya boye azalaki te. Mutu simple lokola biso azalaki te. Parmi ces trois grands messieurs. Moi, ce qui chef de l'État,
La remise, il y a l'une et l'autre. Et ça a un symbole pour les trois. Dans l'échangeur de l'immété, s'il faut le faire, il faut penser comment immortaliser aussi ces deux messieurs, Paul Maurice Néa Oukito et Kozala Malam. Faire quelque chose aussi dans leur village. Ça ne coûte rien à l'État. Il n'y aura plus rien de grave. C'est notre souhait pour éviter ma frustration. C'est notre souhait pour éviter que ma famille, à ma polo, Maurice, n'ait à Okito, et si la caca, le cola, bandit mi balé au basala qui pembe ni à Christ. Parce que les deux bandits méritaient. Mais Christ ne méritait ça pas selon ce qu'il croyait dans la Bible. À la même occasion, nous devons faire remarquer bien. Bozo stylé à côté de la gerbe des fleurs, pour que vous ayez un monument. Maintenant, vous avez un monument, vous avez un monument, vous avez un monument. Ça se décompose. Vous avez un monument, la salité, vous avez un monument du monde. Salité, vous avez un monument, il y a une gerbe des fleurs, vous avez un côté. Compliqué. Donc, Bande Kolanga, bientôt là, une grande cérémonie. Et enfin, Lumumba sera enterré. Maintenant, je pose la question. Que deviendra place au Balakisakabisu Yakatanga Yabisika Babomelaye Babomelaba? Ça va devenir quoi? Aurons-nous deux cimetières? Des tons? Ndenge lelo, ndenge tolobaka na Congo awa. Soki oye utuni, kimbangu, bakunda ye wapi. Okokuta au moins 7, soki 11. Soki 11 tombe ya kimbangu. Okena kisangani. Bakoloba te bakunda ye awa. Okena manyema. Kimbangu bakunda ye awa. Donc, okena Lubumbashi bakoye sayo kimbangu bakunda ye awa. Et aussi, une autre dimension. Lumumba azawa. Et devant ma cérémonie, il y a un effort total. 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 Il y a un Paul Maurice. Il y a un Okito. Il y a un Joseph Kasavubu. Il y a un indépendance. Il y a un Bunda. Je ne cesse de revenir sur Luzinga. Nous attendons aussi que l'État congolais, Basenga, crâne naïe, Bakoma, C'est juste demander. Balobi, Luzinga, chef rebelle, chef abattable. Il y a l'histoire, Nambo Kanabiso et Komamate, qu'on a minimisé, tellement que la rédaction de l'histoire, c'est lui qui est sorti victorieux de la guerre. Le vainqueur. Akomaka yango nan dingi nai. Luzinga zawana. Ba pesa biso mutu ya koko na biso wa. Ba pesa biso to ke ne ko kunda ye, bisika ba omela ye. Na bata ba kuna. Et on doit honorer ce messie là. Namboka na biso lelo tozobima awa tozobima ka koloba 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 biso ba combattant biso ba résistant bande konangai biso tozaka ka mo poussière tozane logo to salata. Oui, on a bravé la peur tango ba kabila bazaki na manduki. Mais quand même na seri na biso droit de l'homme existe on va bakangio batu bagangi bakangi Eliezer ndenge awa tozolobela makambo ya Israël. Ce qui va être dit au le Boko, au commun monde entier, tes droits de liberté de presse, liberté d'expression, et Koloba. Mais Basseri, on n'a pas Koloba là. Moutou y a pas mal, quand tu dis l'anglais, au Kokate, va cacher le Boko.
Je dois rendre hommage au grand chef Lumpung. Hommage à grand chef Lumpung dans cette émission. Ce grand chef Song qui a été pendu. Baboma Yekuna, na Kabinda. Parmi les grands chefs, oyo ba bunda na mboka oyo. On respecte les basongi. Ah, yako mona ka erpo ko seki muto azoloba. Azoloba me. O li suso awuti wa. Les grands chefs Lumpung tué. Parce que tangu batu bazoloba, il y a les gens qui ont résisté. Baboya makam dès le début. Muto akolobela ya zate. Ils ont payé de leur vie. Mais on parle moins de. Balobela kabangote. Comment on peut montrer ce soir avant le bureau? T'as la bassonne et on va tout prendre. Ah bon? Papa, où tu vas dire? Où est l'histoire à Mokao? C'est parce que Batouana va bon man. Baboya pour se rallier. Banfoumou, on va Bakena pour se rallier. N'a autre de subir la conséquence les loups. Batika Bango. Ba pesa ka bango biloko moko boye ya mabende bazo pesa bango eza signe bazo pesa yo signe ya bokonzi moko ta bazo bango ki bokonzi ba pesi bango signe ya domination. Nous attendons aussi que ce grand chef soit honoré. Lelo, j'ai la chair de poule parce que j'étais à Kabinda. Je vis dans quel état se trouve la résidence ya Oyo Mokitani ya Lumpung. Lumpung ya Kaoumou. Donc, Ozomona Esika wana, Lelo Bruce. Place Bako Konabiso wana Bazali. Comment serons-nous bénis? C'est compliqué. Et pendant ce temps, droit de l'homme est à la quitter. Bako mutu abomi ba kotuna yete. Yango moni ba bomi, luzinga bazu mutu na ye, ba tie na katikati ya bato, ba bengi bato. Tala mutu bozaki ko banga yeyo, mutu na mutu soki. Et pendant ce jour, plus de 67 personnes ba kufa sur place, ba bomi ba. Lokola banzinzi batandani bo. On a arrêté 240 personnes qu'on a déportées. Et aujourd'hui, nous blaguons avec ces Congos. Nous blaguons avec ces Congos. Nous blaguons avec ces Congos. Veuve, il y a Delphin Kayimbi, Alali Lissou, na parquet, Bissikanga, Nalal. Hôtel Nabiso, Wane Zalaka. Hôtel de passage avant que vous ayez 5 étoiles, qui est la prison. Na TGI Gombe. Cette dame, la veuve Brenda, à la Likuna. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Je vous propose de suivre le témoignage de son avocat. On lui reproche d'avoir tenté de s'évader avec les enfants en date du 30 mai parce qu'elle avait demandé la permission au père s'il pouvait se rendre à l'église. Les pères lui ont rappelé gentiment que non, on ne pouvait pas jusqu'à la date du prononcé et jusqu'à ce que nous aurons l'autorisation de permettre de dépaquer librement. C'est tout simplement ça. Et il est maintenant à garde à vue au niveau du parquet des grandes personnes de Kinshasa. Je vais l'assister. Là, elle sera auditionnée par le procureur. Elle a été acquittée. Certes, ce que nous avons eu comme preuve à traverser, elle est infiniment douloureuse et insupportable. Grâce à Dieu, nous l'avons vécu. Ce qui vient d'arriver n'est qu'une série qui sera vite consommée et agréablement, nous aurons une suite favorable. La soi-disant tentative s'est passée les 30 mai, 8 jours après, elle a été acquittée. Bon, nous allons passer cette preuve.
avec bravo et brio. C'est douloureux. Ça fait mal, mais elle est endurcie. Wana Maître Bijou, avocat et veuve Brenda, à l'obiwana, ndenge nini, makamwilikati. Bakanye pona nini. Madame Brenda, la veuve du fait général Kayimbi, a sengati le 31, à l'obi, a sengi na bapem, o bazalaki kosa la sécurité nanda kunaye. A l'obi na bangweske na koti ko kene ko sambela. Le lolo ko la dimanche, est-ce que je parle quand même prier? Bapem va répondre, sans brutalité, va l'obite madame. Yo, il faut que vous soyez là. Si vous pouvez prononcer la justice, comme ça vous allez libre. Vous avez tous les 31. Mais, et quelques jours après, vous avez quitté la veuve. C'est-à-dire, vous avez quitté la veuve. Vous avez quitté la veuve. Mais, si vous avez quitté la veuve, il y a eu tentative, il y a eu une tentative, il y a eu une tentative. Là, son avocat dit que. Et ça, une preuve est que tu peux transcender, tu peux le faire et à cause de la liberté. Mais moi, je me demande, où est-ce que tu as une disposition parce que tu as violé le principe, la règle, il y a un homme qui est dans la résidence surveillée. Pour que tu as une église, l'église, Abima qui est à mon côté, a saigné que tu as une église, a saigné un soldat. Il y a eu tentative. Mais il y a eu tentative. Déjà, de l'autre côté, si il a quitté, il y a salé le mon côté. Mais vous voyez, il suppose. Pourquoi continuer à stresser cette pauvre dame? Laissez cette pauvre femme à la l'aise. Na douleur. Il y a eu il y a mon responsabilité à bananaye. Boyeni passe n'est pas à la kate. C'est tout banana. Que bazala qui n'a papa na bango, ba mesana na papa na bango si de suite, au tikani na bango yomoko, donc au kantunga. Et zala kabien papa zawana, maman zawana. Laissez cette pauvre femme. Azala n'engwan. Courage madame, je sais que kalamingite, bakoti kayo, ça va passer. Il y a un communiqué lancé par l'IGF. Azali koke bi sabato alobi, tous analystes. Il y a batu o ya makambu ya carte. Il y a 50 000 dollars. Mais, au yo batu liste, bazo bimisawana biso to bimisi liste, ni l'IGF abimisi yangote, ni ministre de la finance abimisi yangote, mais alobi que tous analystes wan. Si content ou nazo ka IGF, quand on a échangé avec lui, alors le bateau, comme il est découragé, ceux qui ont le but qui est balandé la bateau, oh acharnement, ceux qui n'ont rien. Parce qu'on a posé la question sur la suite. N'a si mal à détecter que Zaki n'a pas trouvé Zaki pour 50 000. Toi, tu dis qu'on a ou bien il y a une autre procédure au niveau de la justice qui va suivre. Et tu calines les mois. Et tu calines les mois. Mais le dossier, mon co, ah. Pourquoi je vous ai donné cette précision? Dans les réseaux sociaux, le Kouta est l'équipe. Alors, comme on a dit, 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 il y a les gens qui font. Bah, ma tata n'a pas vieux, n'a pas moi, comme on a dit, on a dit, on a dit, bah, ça l'a dit, on a dit, on a dit, depuis, bah, du ministre, ministre, tu as dit, on a dit, je mène ma vie tranquillement et bien en tant que représentant, il y a peuple. Na sepelaka. Moi je pense que et l'India vinanga. Les attends on a zaka na ba personne avec handicap. Dingi bozomo na ngawa. To se kakana biso. To zoyo ka l'India vi. Pesa moninga sourire to sala ngopona. To kabola ka to se kakato ka ke l'India vi. On n'est pas des égoïstes ya ko se kaka biso mo. Na yo ka bien tant on a zaka na ba orphelin na ngawa. Dingi bozomo na zo tambo na zo tambo. Je me sens bien quand je transporte ces enfants-là. Je me sens bien quand ces enfants-là, ils ont présenté des caprices. Ils ont dit qu'ils n'ont pas de personnes avec handicap. Ils ont dit que papa, Mikolo, maman, Mikolo. Ceux qui ont dit, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Ils trouvent l'affection. Et moi, je pense que tant que les gens qui ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit général Silvano Kasson, ils ont dit qu'ils ont dit. Ce qui m'a fait mal, c'est quand j'ai appris que parmi ces gens-là, il y a mon collègue. Il y a un honorable député.
pendant ce temps, nous devons travailler pour ce peuple. Togo était que vous ne pouvez pas faire, Nayo. Mais vous avez la parmi les ambianceurs. Vous avez dit que vous avez le général Sylvano Kasongo. Vous allez continuer, on ne va pas baisser les bras. Comme il l'avait promis le samedi 5 juin, l'infatigable général Sylvano Kasongo s'est encore privé de sommeil pour descendre sur terrain, la situation sanitaire du pays étant préoccupante. La nuit du dimanche 6 au lundi 7 juin, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa a fait la ronde dans plusieurs coins de la capitale où les gens peinent encore à respecter le couvre-feu décrété par le président de la République Félix Tshisekedi pour combattre le coronavirus en RDC. À la Gombe, commune autrefois épicentre de la maladie, l'insouciance semble avoir atteint des proportions inquiétantes. Au village Chentemba, l'artiste et musicien Judété a poursuivi son concert jusqu'à 22h30. Lui-même ayant fui à l'approche de la police, ses fans et musiciens ont été arrêtés et conduits au poste de police. Les biens des personnes interpellées ont été consignés puis rendus à leurs propriétaires. Toujours à la Gombe, le restaurant La Dacha, tenu par les Indiens, a aussi violé le couvre-feu. L'opération menée par Sylvano Kasongo s'est poursuivie dans la commune de Kalamu. Sur l'avenue de l'université près de l'UCC, la musique jouée à tue-tête dans le lunch bar Véronique a attiré l'attention du commissaire provincial qui y a surpris des gens festoyant impunément. Ils ont plaidé coupables. En fait, il y a qui anniversaire quand on a mis ça? Ah, on a 23h33. Oui. Ok. 23h33, évitez que vous me faites aller. Oui. Ça, on reconnaît que c'est un débat. À Yolo Capella, c'est au lieu de l'ambiance et de toutes sortes d'excès, les hommes du général Kasongo ont interpellé plusieurs personnes qui ont choisi délibérément d'ignorer la meurtrière troisième vague du Covid-19 qui secoue déjà Kinshasa. Au-delà de la répression, l'opération menée par le général Kasongo était aussi pédagogique. Visiblement incorrigible, certains habitants de Bumbu se sont exposés à la maladie malgré les appels à la conscience lancés par les autorités. Un deuil a été organisé dans la rue. Les tentes ont été saisies et les personnes embarquées. À Bandalungwa, au nightclub Le Chaudron, les gens inconscients se sont enfermés à l'intérieur. La police n'a pas voulu tomber dans la destruction méchante en cassant l'entrée. Toujours dans la même commune, d'autres nightclubs ont vu la police débarquer et procéder à des interpellations. Le commissariat provincial a rappelé que la circulation pendant les heures du couvre-feu est conditionnée par une dérogation légale. Les difficultés liées au transport en commun ne sont pas une excuse, comme l'a rappelé le général Kasongo à cette famille. 015 minutes, bonjour. Le bilan de l'opération fait état des 138 personnes arrêtées, dont 48 femmes et un lot important de véhicules interpellés. Voilà. Ce reportage, là, on a un t-shirt de poule. Parce que c'est quelqu'un qui m'appelle. Il y a quelqu'un qui m'a appelé de Colouésie. C'est pas possible. Nous sommes là, se concentrer. Pour faire mener les actions en faveur de notre peuple. Côté la ligne, tout ça la concurrence à moi. Mais quand même, ça fait mal. Je me rappelle, tant que commandant Vin et Zalaki général Célestin Kanyam. A Kenali Soussouna, et le coup, il y a bon marché. A Kenda Kouta, honorable Moussous, na position, mon coup, ce qui n'est ni. Toboïté, nous devons mener na Evi. Mais quand on a des responsabilités, il y a des choses qu'on ne doit pas se permettre. On ne fait pas tout ce que tout le monde fait. Il y a un moment où il y a des gens qui. Il y a les endroits que je ne peux pas entrer. Même ceux qui n'ont pas de numéro, oui,
Mais il y a des choses que je ne peux pas faire. Balobi, couvre-feu. Je ne sais pas à 23h. Sorti à 1h du matin. Ozoyo Kabilene. Tangamon. Tangamon on a yo. Wana. Au commis ferme devant colonel. Yo mon kounzi. Au commis ferme. Bah on est ici. C'est quand même compliqué. C'est compliqué. Il y a un bon azolo, mais la carabatou. Bande gonangaï. Assez arrive. Tout ça, la politique ensemble, bande gonangaï. Bateau, on est à côté de la carabatou, mais la carabatou, tous simbana. Classe politique, on est à côté de la carabatou. Le couta démagogie, le couta, le couta, le couta, le couta. On doit servir la République. Mais on peut se mettre sur la voie là-bas. Joseph Kassavou, Balumumba, Ban Paulo Maurice, Ban Otito. Il ne faut pas tout dire à la caca, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas. Et il ne faut pas qu'on soit là-bas hypocrite. On a l'ambition politique, on est lié à côté de la politique. T'es, la politique, à Zanan. Le père, le pape François dit aux gens, les catholiques ne doivent pas rester en train d'observer la politique sur les balcons. Masolo. Masolo. Et il y a des choses qui se font aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Tant aux hommes à battre. Oh, il y a un côté à Kekuna. Aux ans à force à baiser à moi. Israël Mutombo va fondir. Pourquoi va fondir Israël Mutombo? Nana fondir. Israël Mutombo Azanani. Israël Mutombo Azan présentateur, patron et abosolo en politique. Israël, je l'ai vu commencer cette émission. Je vis son parcours. Il a connu des difficultés, des obstacles. Mais aujourd'hui, il est arrivé là où il est arrivé. À Ponanou Kinaye, il y a Tata Sango. Abimeli nanzela na yewana. Et chaque fois que nous avons l'occasion de changer, à un moment donné, à l'ingatia kota ba polémique na l'habité Israël. On peut faire les noms, on peut faire le succès sans qu'on kota ba polémique. Polémique on est au boma parce que les journalistes, mais ala kika kaproche ya ba chroniqueur ya musique, oh ya zofinga, oh ya zofinga. Si le lo moni bazana sekele wana ya kofinga na. Si le lo sekele wana. Vous pouvez donner les informations sans qu'on ne coule. Et Togoma et le Kouana, ils ont un bateau qui va supporter à Bissoudé. Parce que Togoma est là-bas, mon copain. Israël m'écoute aussi. Et je l'encourage parce que, pas seulement à Zosal, à Zotanga. Il m'a dit qu'il faisait les droits. Après, à l'obité, il y a la criminologie. Le gola, il y a la criminologie. Il y a la criminologie. Il faut toujours étudier. C'est un courageux qui a orienté. Parce que quand je vois Israël en train de prester, oui, tout le monde n'a pas un avis. Et qu'est-ce qui se passe? Israël a lobby le Kambu, il y a carte Visa, Infinity. Il y a comme 50 000 $. Et c'est ça qu'Israël, hier, a l'IGFT. C'est l'IGFT qui a mené son action. Et c'est l'IGFT qui a demandé qu'on désactive les cartes. Israël a transmettre caca, information à Batoukou pour que, bah, quand même, c'est l'agent de l'État. J'ai dit ce qui est au Kenneth Naba Suède. Au Kokutakuna, Moutouako Longwa, n'est-ce pas, Zabi Soba de Pidia. Parce que binonde motinda biso oyé na parler du peuple bola kisanga imbongo eliezer atushaka o senge ba imprimer le yo même bulletin de peine nga ba tangi sio voilà mbongo ya le peuple a droit ya koyeba et biso ba journaliste musala na biso za ya koteli sabatu ba droit na bango na ko informer bango soki boboy ba tu informer siko bolingi basani. Quand tu as dit que deux personnes vont fondir, tu as dit qu'il y a quoi?
et na l'ancien ministre ya ya finance Célé. Et Célé wana toki c'est mon frère Laurent Onyemba qui est aussi journaliste avocat ndé ada conseil. Maintenant on a yoki ndé konanga Laurent lobi batuni e balobi mais pourquoi bokinda ki na droit de réponse. Alors vite ba fait ça tellement grave que biso toko ki ndé konate. Mais mon frère Laurent, il y a des conseils, il y a ministre Célé. Et Kosimbate, et ce n'est pas bon pour un acteur politique de se lancer dans le procès à Nengwa. Na yebite, nani akenda Nengwa nana journaliste à Longaye. Oui, et ça va journaliste ou na zo monate, ba mzuzo ya, ba journaliste kabiliste, ba oumere, kwa seka pardote. Ake kura, komi pe mukanda. Pardon, à cause de la police soustée. À ce qui passe, on est à la télévision. Dans le bien, ils ont battu Bazanga Sony Namboko. Hein? Ok, il peine, d'accord? Ok, Kuna. Bolo, commission de Kota Bolo. Libosson a dit. Ceux qui ont acquis sur Yabanin. Je confirme. Ok, Kuna. Et Kote, et Betio Kamouke, au commis. Pardon, pardon, excellence, pardon, honorable. Et puis on l'équipe aux autres, les il y a un plateau aux autres. Je l'ai trouvé dans le bureau de Tony Mwamba. Botan la degré à bas. A collègue à la télévision, il dit que l'obazo critiqué Félix. Azo critiqué le ministre. Je l'ai trouvé dans le combattant, il va bête. A quel point il n'est pas Tony. Oh, je suis venu recouvrer ma facture. Facture n'a eu à l'Itamouni. Facture n'a eu à l'Itamouni. Batouan n'a eu à l'Itamouni. Facture n'a eu à l'Itamouni. Et c'est là que j'ai dit aux gens, vous êtes là, nous sommes en train de vous observer. Tous autres à la bino. Ceux qui nous approchent, nous les approchons. Ceux qui nous repoussent, nous allons aussi les repousser. Et puis, tu as repoussé, bango bien. Tu as bon de la moutoute. Voyez, ah, on a un cabinet à bino. Vous prenez la communication. Alors, pas si tu as la tique au fin à biso lobby quand on était dans les combats. Vous cherchez à nous énerver, mais toko sunga bino. Le kola bino ozo luka kopesa biso kana, toko sunga bino. Les gens qui nous insultent, tongo midi pourquoi? Les loba obo zaki ko travaille na bango, bazaba incompétent, bango batanga te, bango bazama yelete. Et ce sont les mêmes personnes qui veulent trôner. J'ai dit à mon frère Tony Mwaba, nalobi Tony, cher collègue, excellence, monsieur le ministre, heureusement qu'il m'a écouté. Je félicite le ministre de l'Agriculture. Je le félicite. A Bengen, Oyebio, Babenga, Natiruba, Chikolu. A Bengen, Ayati, Afanjouana, tout ça. Les deux comme. Je félicite le ministre de l'Agriculture. Alors, jamais. Bino, Moussala, la ville, Zati Kofinga. Bino, ce qu'on doit récompenser Bino. Donc, pour encourager. Et qu'est-ce que je peux dire? L'insolence, l'inconstance, l'instabilité. Félicitations, excellence, monsieur le ministre. C'est ça l'avantage à nommer un combattant à ma poste. Parce qu'un combattant connaît qui est qui. Mais bah, oh, bah, tout bas, là, tu as coupé ma carte, je manque. Allez, mon père, si vous avez une responsabilité, vous là où les élèves, comment quoi? N'est-ce pas? À combien de gars, tu n'as eu un avant d'ici? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Monsieur le ministre, c'est les. Nako Sengayo, monsieur Tamboazo Sengayo, nanam ta famille politique na yote, nana putana ta na yote, ni de plus ni de loin, nanaji komo na yo ke ministre a financé yoan. Je pense que yo ebinga te talaka bisho ba bilajo. Retirez plainte na yo contre Israël. Parce que ndenge to kozala na mukongo na yo. Hein? Ndenge to kozala na mukongo na yo. Tina batu ba répondre sans coûter rien. Ya otindi batu lobi ne kobeti libaku. Tala, soki omoko li mikolo bate. Soki omoko li mikolo. Oye kaka wana. Olobi ndeko, obeti libaku. Ngai na zana lista batu wana te. Tala ndenge na sala, tala ndenge na sala. C'est tout ça coûte quoi? Même ba juriste ba lobaka, mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Ce qui est là, c'est que je suis en Israël.
ekozalande mikolo nyoso po moyon kanisa pe batu nyoso ekozalate. Mon frère Israël Mutombo, monsieur Tambo te soutient. Nazana yo ezanzela biso nyoso tokota toleka banzela wa. Mais quand les gens ont compris l'héro, tu comme ko siéger na baoba kanisa biso. Bango ikasa ni tozana bango. Bah ouais, Zala qui n'a pas encore le rôle à Bamouka, qui s'occupait de la presse, Bazala qui vous conseillait, tout ça là, qui sont même venus dans mon bureau. C'est que je te préviens, Israël, même quand il y a un babatou, il faut que, même dans le téléphone, bah, pour enregistrer, yo. Bah, voyez, pour le bâti, Alinga ça la chantage, Alinga ça la bouille. N'a rien à tout n'a pas tout n'a lobby. Tant que Bozaki Koroba n'a qu'il disait, Alinga qui a attendu comme on est, n'a rien à condiment, n'a rien. Quand il y a un moni moutoumoko, qui prétend être avocat, Azo le Kagala va média, Azo qui ne peut négocier. Nous voulons trouver un arrangement à l'amiable. Mais là, il y a une faute. Il y a une faute. Dans l'hôpital, mon paya, dans mes lacamaïs, vous faites l'amour. Les gens ne négocient pas. Monsieur l'avocat entre guillemets. Les gens, on ne cherche pas à trouver une solution à l'amiable, monsieur. Mais n'est-ce pas que la télévision est en train de négocier? Il est en train de négocier la mort de quelqu'un. C'est pas possible ça. Mais quand je vis cette lettre, je dis attendez. A quoi les caloba, loba, loba, qu'on tout. Même moutou parti, il est sorti. C'est pas possible. C'est pas possible. Israël, il faut que ngai batu bayaka ndengo anata mona zolo bana bango ya tel dossier bango baye pona ba registre nga na tuna bango na tuna na lobio attaché de presse yo ya so ki ango ikasanti na histoire ya presse batanga ba grand politicien ba pesa ba journaliste mbongo ba kotanga ye il faut ko ba tama mukiti na histoire ya presse kotanga ba Batu oyo ba pesa ba journaliste mbongo iganga. Bakotanga ete. Tuna biso to ebisa yo. Bakotanga ba Vital Kamerhe oyo azana boloko. Veka. Bakotanga ba Mbuyu kete aux hydrocarbures. Bakotanga ba Moïse Katumbi Chapwe. Bakotanga ete. Parmi les politiciens qui ont donné de l'argent. Bakotanga kupa wale oyo kaka kupaye. Y était. Mais avant de mourir, quand vous êtes né, moi, la mis tout n'a besoin qu'à ma compte. Moi, quand je suis consultant en communication, il y a consultant en communication de quelques structures à la Kinshasa et de quelques politiciens parce que je maîtrise. N'a dit c'est quoi communiquer. Je vis la MIBA, la société que moi j'ai connue. Moutou a cité pour la haute à la MIBA. Na vie MIBA au Koban. Maintenant, Botala, n'est-ce pas qui charge la communication à MIBA. Amis, Ndeko Eliezer, et merci de l'intérêt que vous témoignez pour la cause de la MIBA dans votre vidéo Masserona député du 30 novembre 2020. En tant qu'agent MIBA, en tant que communicateur de la MIBA, je suis payé pour ça. Et c'est pour cela que je réponds à ces termes. Est-ce que Eliezer Ntamboué est un journaliste, un parlementaire ou un bouffon? Monsieur Eliezer s'en prend à Madame Kapinga, représentante de la MIBA, en alléguant que cette dame est à ce poste depuis 10 ans. Et que pendant 10 ans, elle a perçu l'argent du loyer de l'immeuble de Mibakine qui est sur le boulevard du 30 juin et qui est loué par le programme alimentaire mondial PAM. Je vais vous dire que la vidéo qui a été mise dans les réseaux sociaux par Eliezer Ntamboué est une façon d'inciter, de déstabiliser les efforts qui sont déployés pour que la MIBA puisse reprendre. Vous pouvez facilement comprendre la publicité qui a porté Eliezer Ntamboué au Panthéon du Parlement et assise sur les contre-vérités. Vous voulez que je vous dise? Eliezer Ntamboué doit savoir que sa liberté a pour limite la liberté des autres. La confiance a repris dans la MIBA. La production ne va pas s'arrêter. Et surtout, avec l'accompagnement du chef de l'État,
et la force de notre ADG, on ne va pas arrêter. Depuis 10 ans, mais c'est faux. C'est faux et archi faux. Cette dame a été commissionnée à titre intérimaire comme représentant de Mibaki en 2016. Et elle a été confirmée en 2017. Vous voyez, monsieur Lézer Ntambwe, vous avez l'obligation de vérité et l'obligation de responsabilité. Est-ce que monsieur Eliezer Ntambwe était muni d'un ordre de mission du Parlement dont il est membre pour aller faire une enquête parlementaire à l'AMIBA pour contrôler l'argent de l'AMIBA? Je le prends à défi de produire cet ordre de mission. Mais s'il ne l'a pas, c'est un parlementaire qui ne respecte pas les règlements du Parlement. Et madame Kapinga se réserve le droit de la traire en justice. En tout cas, j'attends la réaction d'Eliezer. J'attends votre réaction. C'est pas possible. Plein d'envoi à radio, n'avez pas plein de tililou. Vous prenez quelqu'un, vous avez ça la maman. Tant que d'abord, vous avez ça la bino, vous avez ça, n'aidez à nani. Vous avez copié, vous avez dit, vous avez ça la chronique et la musique. Et vous prenez, vous le mettez, il s'occupe de la communication d'une grande société comme l'AMIBA. Les payer des années très bas. Est-ce qu'on peut nous intimider? On ne peut pas nous intimider! On ne peut pas nous intimider. Allez, tout le monde a remis un portefeuille avec madame Adèle Kayinda et je vous propose de suivre quelques éléments avant que nous terminions cette émission. Chacun contenait bien sûr quelques détails. Alors,
Notre premier poids repose sur la gestion financière administrative de l'entreprise. Nous avons là-dedans aligné un certain nombre d'éléments, notamment les effectifs du personnel. La RVA porte aujourd'hui plus ou moins 2784 actifs et 1195 passifs, ce qui nous ramène au-delà des 4000. Et comme vous le savez, dans toutes les entreprises du secteur public, il y a toujours un ratio emploi, donc poste effectif, à dépassement. C'est-à-dire qu'en principe, le nombre de travailleurs requis pour un poste est souvent largement au-delà, si pas de la norme, mais de la demande effective, ou sinon la demande souhaitée. Donc, comme d'habitude, nous sommes en sur-effectif par rapport à ce que devra être une administration publique. Mais on va le démontrer plus tard que par rapport maintenant aux besoins de l'entreprise, nous sommes plutôt dans une situation de sous-effectif, concernant notamment une catégorie qu'on va devoir présenter. Alors, en ce qui concerne la gestion des carrières, je crois que nous avons aussi un certain nombre de soucis. En ce qui concerne particulièrement, si vous voulez, les filières, nous avons remarqué par exemple à la RVA, il n'y a pas un mécanisme de suivi automatique dans la filière. Il y a des gens qui ont 15 ans dans un même poste, sans bouger. Et voilà, donc nous pensons que c'est un problème parce que ça coûte à l'entreprise, ça pose un certain problème en termes de charges financières notamment. Et comme vous le savez, madame, je crois que notre état des lieux a été un peu mieux précis par rapport à ça. Nous avons un problème au niveau des retraités qui n'ont pas encore, pour la plupart, touché les comptes finales. Et cela nous amène à peu près une charge de plus ou moins 49 millions de dollars, c'est-à-dire la dette que l'entreprise a vis-à-vis de retraités. Mais par rapport à ça, pour régler les problèmes parce que les retraités doivent vivre, nous avons trouvé dans l'entreprise un système de salaire d'attente qui aujourd'hui a amené la RVA à dépenser autour de 60 millions de dollars au titre des salaires d'attente. Nous avons déjà réalisé que cela n'est pas du tout soutenable et que cela ne constitue pas une pratique tout à fait acceptable dans la mesure où, comme vous l'avez vous-même dit dans votre mot, la gestion, la qualité de la gestion doit être améliorée et nous pensons que ce système devra déjà être pratiquement supprimé pour donner lieu à une approche acceptable, surtout qui ne préjudicie pas la bonne marche de l'entreprise, spécifiquement sur le plan financier. Alors, toujours par rapport à la gestion administrative, comme vous le réalisez chaque jour, on vous présente à la télé, sur les médias, les problèmes d'arriérés, les salaires, ainsi de suite. Nous pensons que lorsque les experts vont commencer à poser leurs questions, nous allons devoir donner de plus amples détails par rapport à cette situation. Mais comme petite introduction par rapport à ça, vous avez une RVA qui a été pratiquement disséquée pendant les périodes de guerre. Et donc, il y avait des sous-RVA dans les territoires sous occupation. Alors là, on a engagé tout le monde, même celui qui n'est pas formé dans le domaine de la navigation aérienne, parce que faisant partie d'une rébellion. Il s'agit des guerres. Les guerres anciennes, Afdel, ainsi de suite. Alors, il y avait dans certaines entités comme Kisangani, des effectifs non raisonnés, c'est-à-dire où l'on prenait les gens, un commandant, un rebelle, ainsi de suite, et puis on l'enrôle, et ça fait exploser les charges de l'entreprise. Alors, ces gens-là devraient être, au nom de certains arrangements politiques, enrôlés comme membres de la RVA. C'est là où vous entendez souvent parler des 75, 60 mois d'impaiement, ainsi de suite. Donc, ce sont des cas qu'il faudra déjà chercher à gérer. Ici, nous avons suivi avec attention, monsieur le DG. Mais dans l'état des lieux, nous avons constaté que l'outil de production de la RVA est réparti en trois grandes rubriques, si on peut le dire. Les équipements de communication, comme l'a expliqué brillamment le DG, les équipements d'aide à la navigation et les équipements de surveillance. De manière générale, les équipements de la gestion du trafic aérien sont en bon état. Mais néanmoins,
dans l'état d'idée qui nous a été présenté, aucune donnée n'est fournie sur la couverture réelle de l'espace aérien congolais par ces équipements. Donc, l'état des lieux n'a pas donné cette information capitale, alors que cette information, alors que c'est une donnée importante sur la capacité de la RVA à assurer la mission de gestion du trafic aérien. Les infrastructures aéroportières de la RVA sont très anciennes, comme d'ailleurs l'a exposé le DG. Elles datent dans la grande majorité des années 50 et 60. De manière globale, ces infrastructures et installations se trouvent en état de délabrement avancé et présentent des insuffisances techniques. Ici, dans l'état des lieux qui nous a été envoyé, on nous a précisé qu'il y avait 52 aéroports, mais le DG a donné une précision qu'il s'agit plutôt de 54 aéroports placés sous sa gestion, mais dont seulement 20, soit 38,46%, possède une piste revêtue, soit de béton ou d'asphalte. Les autres ont des pistes en terre ou en argile, en gazon, etc. Je parlais de l'offre, je voulais me focaliser sur ça parce qu'on a plus assez de temps pour dire le problème de la RVA, c'est la gestion. Si la RVA n'arrive pas à s'en sortir de ce problème, c'est parce que ceux qui sont à la tête n'arrive pas à mettre en place une gestion assez claire, une gestion qui doit permettre à l'entreprise d'aller de l'avant. Voilà ce que le conseil d'administration voulait vous dire. Je crois que nous vous avons écrit par rapport à la situation. Ce qui est dit, j'ai dit ok, c'est dans l'ordre normal des choses, mais comment il faut y arriver? Il faut placer les hommes qu'il faut à la tête de notre entreprise pour que demain, vous avez les résultats escomptés par rapport aux efforts que vous êtes en train de fournir à la tête de ces ministères pour que l'État soit fier de ces entreprises. Voilà, Madame la ministre de l'État, je vais terminer par là. J'avais beaucoup à dire, mais voilà, malheureusement, on n'a pas été à l'heure. Les absents, les retardateurs ont toujours tort, j'assume ça. Et nous allons vous saisir par d'autres voies pour vous faire part de tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez décelé les problèmes ensemble. Parce que la direction générale s'attelle sur la gestion et le conseil d'administration s'attelle sur la gestion. Et c'est là même hein, l'importance de ces assises que nous avons voulu avoir ces échanges. Pour ce qui concerne notre ministère, et que nous allons vous assigner des objectifs spécifiques qui doivent répondre à tous les problèmes que vous avez soulevés. Et nous allons vous soumettre un plan de redressement parce que la régie de voies aériennes est le miroir de la RDC. Il ne peut pas aujourd'hui cette régie présenter l'image qu'elle présente en ce moment. Et nous allons travailler dans la complémentarité pour que nous puissions avoir les résultats escomptés afin que nous ayons des indicateurs d'évaluation. Le siège de la RDC qui est un atout. Construction et réhabilitation de certaines pistes. Il y a autant de problèmes qu'on a soulevés. Donc nous vous disons que nous irons par objectif. Parce que pour ma vision en tant que ministre d'État, ministre du Portefeuille, je ne vais pas gérer les entreprises de la même façon. La loi qui nous régit est là, mais nous allons nous y atteler par les spécificités de chaque entreprise. Voilà, c'est ça. Félicitations à cette Wario, Madame Adèle Kaïna, les sérieux dans le travail, travailler avec les temps. Ha 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 ha.
travailler avec l'État partout. Comme elle a dit qu'il y a une lettre, les lolo bien sûr répondre. On compte ma signature et ton naté, Anim Bakate, elle n'est pas sur Facebook en train de. Alors la Facebook était depuis avant d'aller sur Facebook. Elle n'est pas entrée sur les réseaux sociaux pour Nakolanda. Peut-être quelques histoires. Mais travail, 5 heures à Zawa. 5 heures à Zawa. À Sali Moussa. Mais bon, là, toutes ces dames-là. Bon, comme tout le monde a dit, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Mais ce n'est pas possible. Émission, allez, merci beaucoup Nabino Bandekotou, beaucoup Randabiso. Mais je suis venu à Tchang. Je suis venu à Tchang. Je suis venu dimanche. Ce n'est pas que tant que vous avez le sport, Nabino, ou que vous avez le sport, vous avez le sport, vous avez le sport des moutons. Pourquoi moi que les autres qui m'a bien, je m'attends à ce des moutons. Té. Botika va sentiment avec tout à eux. Ça, le sport, na eu, tambola na se. Je ne cesse de formuler ma demande. Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilo. Monsieur le Premier ministre, bossa la route de contournement, et à la Rogola, une autoroute, et aux ceinturés, Kinshasa. Et au banda, na timonza gare, tinji librasserie. Bapa yana biso, bako le kasan ke bamo na buso do yane to kumba kasalite. Ah. To mona yi lobit. Ma solo na depite. Lobby, plus 243, 998, 311, 332. Ozana posa ko somba polo. Eh, ozana posa ko somba polo ya FRDC. Na chapeau na essayer mususu essayer l'homme soyer oyé na itaga 120 na commune de Kinshasa entre Ouléri na Kasabu. On doit soutenir nos vaillants combattants Ouliya Kobosa na mbangu tomona.